Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Crypto Gaming. Je publie du contenu tous les jours, alors si ça te dit rejoins l'inventaire, en t'abonnant et en activant la cloche pour ne rien louper. Surtout qu'on est de retour sur Cyberpunk 2077 pour l'épisode 40. Et on va faire la petite mission que on était en train de commencer. Je finis juste ça, hop là, ça c'est bon, ça c'est... Ça me paraît pas mal. Allez, on est reparti. Ouais, j'ai pas choisi le meilleur des chemins, moi. Heureusement que j'ai double jump. Non, pas moins. Ah, si. Arrivé, celle sauve à Washington. Et si j'étais du genre à parier, je dirais même qu'elle n'avait jamais quitté sa ville. Notre détermination inébranlable nous a permis de ne pas céder face aux provocations éhontées des NUSA. Que dire de plus ? Rosalind, si vous deviez réellement visiter Dogtown un jour, nous vous accueillerions à bras ouverts. On se fait attaquer! Hein? C'était quoi? C'était cadeau. Ah! Oh! Encerclez-le! Oh! J'y vais! Les malins, même si c'est un petit peu bugué, ça l'a fait. Ça c'est souvent quand je relance, il lui faut un peu de temps pour chauffer. Tac. Mais bon, j'espère que ça va pas mettre trop de temps pour charger. Ça serait galère au bout d'un moment. Le pire, c'est que j'ai déjà fait un test diminuer la qualité. Ça ne donne pas plus d'FPS et c'est pas choquant. Sinon, parfois, je continue les tests. Toujours galère à faire. Là, j'ai oublié un truc à bras. Et je suis plus rapide qu'une voiture. Ok. Putain, c'est un vrai labyrinthe leur machin. Plus vite on se fera du cash et plus vite on pourra se tirer d'ici. Non. Ah, je fais un paquet de verre. Le meilleur moyen de se foutre dans la merde. Ils sont vraiment réunis tous. Celui-là avait un petit TDS. Qui n'a pas encore misé? Dernière chance pour parier. Aaron White, c'est lequel? Ça va? Aaron, c'est le short orange là. Et l'autre, c'est... Will Corey. Un pur jus de Dogtown, celui-là. La mise est de 100. Ça t'intéresse? Dernière chance.
Je connais l'arnaque. Le bouc empoche 100 Eddie, et une victoire me rapporterait quoi au max? 10, 20? Eh non, 25. On la joue pas comme ça, Heywood. Voilà ce que je te propose. 300 sur Aaron, tu me paies le double ou rien, vendu? Ok, ça marche. Chaud patate. Il y a Johnny qui est... qui est derrière en train de mater. Wow. Et voilà! Le combat est terminé! Wayne gagne par KO! Il est vraiment trop fort! Alors, ça te change, hein, de pas avoir à te coucher? Je t'encule, Will. Chaud patate. Et je sais pas trop où il est passé, Johnny, il a dû se barrer. Ouais, façon de parler. Et c'est avec lui. T'as un joli crochet. Merci. Je m'appelle V, c'est Fred qui m'envoie. Waouh. Il disait qu'il connaissait quelqu'un, mais je pensais que c'était du vent. Écoute, V, j'ai un truc à régler. Il y a des gens dangereux qui sont impliqués. J'ai besoin d'un garde du corps. Quelqu'un qui se tirera pas en cas d'ennui. Ça t'intéresse? Ok, je vais t'aider. Donne-moi des détails. Une base de Désos. Une clinique où bosse un charcutoc. Il s'appelle Damir. Je l'ai rencontré du temps où j'étais avec les Animals. Nos gars faisaient affaire ensemble. Et mon prochain combat est super important. Alors faut que je voie Damir avant de monter sur le ring. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Tu veux qu'un charcu overclock ton chrome avant le combat? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Je connais des boxeurs, je fais quelques combats, mais rarement sur des vrais rings. Ah, Fred t'a fait participer à son petit business. T'as longé quelqu'un d'un peu connu? Le combat pour le prix ultime reste à venir. Je sais ce que c'est pareil ici. T'as besoin qu'on te protège des Désos? Je piche pas, vous faisiez affaire, non? Pas moi, mon gang. Enfin, mon ancien gang pour être précis. Mais Damir c'est un type bien. Il m'aidera, je le sais. Suffit juste d'arriver jusqu'à lui. C'est un merdier cette histoire, V. Je te raconterai tout quand on y sera. Alors, on est d'accord? T'es partant? Ouais, je suis partant. Compte sur moi. Ça, c'est une putain de bonne nouvelle, V. Bon, écoute, j'ai quelques petits trucs à régler ici. Mais je te retrouve plus tard à Terra Cognita. Terra Cognita? Chaud patate. Hey, il y a des nouveaux boxeurs. J'ai le droit de m'amuser avec vous? Ouais, bon, par contre, c'était pas prévu là de faire. Aaron. Moi aussi, je veux jouer les gars. Je veux rentrer chez moi! Aïe. Je veux pas mourir! Quoi, déjà? Bon. Oh non. Ok. Bon, c'est pas tout ça. Normalement, moi, c'était pas ça. Sauver Lina dans la boutique de DS. Allez, c'est reparti. Il y a des missions qui sont vraiment juste à côté. Oula, il y a les messieurs Kipi qui me cherchent. Mais pour ça aussi que j'adore ce jeu, c'est un truc de dingue. Tu es parti pour faire un truc, même si t'es pas très loin, et bah tu peux te retrouver à PK ou Schnock parce que il y a un truc qui a attiré ton attention. Ah, alors... On va au même endroit ou quoi? Putain, quel merdier! Y a eu un cambriolage ou quoi? Le doigt sur la gâchette, V. Ah, pose ton cul et ferme-la un peu. On se réfléchit. T'as pas un radis. Et en plus, t'as tout.
Burke qui lui a fauché sa carte magnétique. Et genre. Ok. Je vais tout fouiller. Moi, il faut que j'aille me refaire les ongles. Et pourquoi ? Le studio va te le faire payer. Tu fais perdre au studio des millions par jour. Des millions. D'accord. C'est vrai que souvent, il y a des gens qui pètent des plombs au niveau des portes. Bah, je comprends mieux. Et lui, il attend, mais on peut lui parler ou pas ? Non, il fume son cigare, tranquille. Je veux pas être. Mode alternatif. Il est habillé un peu différent. J'avoue qu'il a le style comme ça. C'est quoi ce bordel? Bonne question. Ce pervers me tient enfermé dans ce gourbi contre mon gré. Mmh. C'est moi, Lina Malina, la reine de la meute à Dogtown. Hein? Écoute, tu me sors de là et je... Et je te laisserai m'emmener au resto, peut-être. On dirait que c'est ton jour de chance. Eh, trésor, hop hop hop, relève tes yeux, t'as assez maté minichon. Défonce la gueule de ce connard et ramène-moi chez moi. Mais ferme-la, abruti. Le pommard dans la cabine, c'est mon ami et... associé. Tool. Et moi qui trouvais notre partenariat complètement tordu. Vaut mieux remonter avant qu'il pète une durite. Je vais tout t'expliquer. Ça va me plaire, je le sens. Oh, c'est pas vrai. Putain, je suis censé être en tournage là. J'ai oublié mes ventes. Ma popularité. C'est bizarre. Alors, les trous ducs. En mode, sa sarelle a été copiée dans l'autre. Tous les méga fans de Lina depuis ses débuts. Ils se repassent toutes ses DS. Et comme souvent à Dogtown, on a eu une surtension il y a quelques jours. Ça a court-circuité la couronne de DS pendant que tout l'était dans la peau de Lina. La déesse s'est coincée dans sa tête et a cramé ses synapses. Depuis, il se prend pour la vraie Lina Malina. Il parle comme elle, se comporte comme elle, la totale. C'est dur. Puisque t'es déjà témoin de tout ce merdier, j'aurais peut-être un boulot pour toi. Écoute, c'est sûr que c'est un peu bizarre, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je suis pas charcu. Puisque t'es là, je suis prêt à payer un paquet si tu me donnes un petit coup de main. C'est-à-dire ? Je voudrais bien tirer parti de la situation, si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois pas. Écoute, on arrive à peine à se maintenir à flot. Personne n'achète nos enregistrements et on ne saigne nous saigne à blanc avec le loyer. Ok, la tête est Nova, elle attire l'œil des gens, mais faut voir les choses en face. Les gens de Dogtown nagent pas dans le pognon. Ton tchoum est déconnecté de la réalité et tout ce que tu vois, c'est ce que ça peut te rapporter ? Oh, je t'en prie. Les mercs sont mal placés pour donner des leçons d'éthique. Faut que je reste surveiller Tool, qui risque pas de se foutre en l'air ou de casser un truc. Toi, tu vas chercher Lina et tu l'amènes ici pour tourner une DS. Un truc en collab qu'on appellera... Belle-Père. Lina obtient du contenu pour un épisode, ses fans boostent la répute de la boutique. Tout le monde y gagne. Ok, je vais amener Lina. Il me faut juste son adresse. C'est envoyé. Si on tourne un truc premios, je te filerai un bonus. Il a l'air super solide, ton plan. Aucun risque que ça déraille. Allez, go. Tu devrais l'aider, ce pauvre type. Pas le filmer comme une bête de foire. Et toi, tu ferais quoi? J'irai voir un charcu. Ou quelqu'un qui s'y connaît un tant soit peu en vertu. J'ai dit. Ah bah tiens. Rien SMS à Victor pour lui demander conseil. Rien SMS à Judy pour lui demander conseil. Ouais, Judy. Judy.
il y avait écrit, en fait laisse tomber, c'est rien. Ok, ok. D'attention partagée. D'accord, donc en gros il suffit juste de lui montrer la nana. Et cette fois-ci on le marque comme ça. Il y a des chances. Déclenchement d'identité. Wow. Ouais, en gros, il a dit la même chose, mais en 10 fois plus long. Ouais, 10 fois plus long, j'abuse un peu, mais... Ça passe. Aïe. Ça passe. Il est tombé où encore cette fois? Ouais, j'en sais rien. Faut que j'aille... Paf, là-bas. Comment il veut que trouver un objet ayant une valeur sentimentale pour toi ? Je comprends pourquoi cet œil était pas cher maintenant. C'est impossible que je trouve. Bah du moins je vois pas le trou. Peut-être que son pote a ça. Je vais être bref, V. Netwatch a envoyé un chasseur et tu es la cible. Alors fais attention. Hein ? Quoi ? Bree Whitney leur a vendu les données de Militech, puis elle a disparu. Maintenant, Netwatch veut éliminer tous ceux qui ont été impliqués. Ce sont les risques du métier. Prends soin de toi, V. Putain, la meuf me l'a mise à l'envers. Tu me dis, ah ouais, j'ai vraiment la poisse dans le jeu. On a tout le temps, il nous arrive que des merdes. Hein. Eh, par contre, il y a de l'abus, quoi. J'étais là-bas. Oh, attends, hey, Chumito, j'ai un super boulot pour toi. Non, je suis occupé. Ah, c'était pas pour moi. Tu veux pas savoir combien ça paie, plutôt ? Bingo. Dodger a besoin d'un gars pour récupérer des contrôles en NIT. Voilà. Ça va que c'est plutôt rapide. Depuis que les sauts et le truc d'esquive, là, c'est rapide. Bizarre. Bon, tu décides à me libérer ou t'es juste venu là pour me mater et t'asticuer le manche ? Ce que je veux, c'est... Intéressant. Cher Lina, je te suis depuis tes débuts quand tu faisais ces DS d'amateurs complètement déjantés avec des motards des Badlands. Je traverse une période difficile en ce moment.
La vie m'a donné un grand coup là où ça fait mal. J'arrive seulement à m'échapper quand je suis toi. Merci pour le contenu, Premios. Je sais que tu te donnes corps et âme dans tes DS. Ton plus grand fan, Edgar Toole. C'est un chopatin. Trop chaud. Moi, j'ai trouvé l'objet. Je commence à regretter d'avoir cramé les lettres de mes fans. Il a écrit ça à la main et avec le cœur. Ça devait être important pour lui de transmettre ses sentiments. Le sourire. Chaud patate. J'ai pas l'impression d'avoir chopé l'objet. On va dire que c'est... Sérieux, Edgar? T'es sûr que c'est nécessaire? Mais c'est qui, Edgar? Putain, t'es défoncé ou quoi? Il va avoir besoin d'un plus gros choc pour retrouver ses esprits. On verra une autre fois. J'ai pas la clé. Bah alors trouve-la, putain! Ok. Bon, au moins, c'est fait. Tac, on peut y aller. Cette fois-ci, c'est la bonne. Oh, aïe. Faut vraiment que je chope un truc pour les dégâts quand je tombe. Je suis sûr qu'il y a ça. Allez, petit boost. On nous attaque! Aïe. Je me fais mal avec ma propre grenade. Touché. Mais tirez, bordel! C'est bon. Bim. Ah, ça a un petit peu détendu. Décidément. Ah oui, d'accord, les barbelés, ça pique. Je suis sûr qu'on pourrait faire de la bonne gnôle avec ça. C'est quoi ça? Ah, c'est une moto. Ouais, mais non. Là, on va voir Lina. Bien de te débarrasser d'eux avant qu'ils nous piquent notre starlet. Je veux d'abord essayer de leur parler. C'est peut-être des tchoums de Lina. Tu veux te faire dépouiller de ton chrome? Non? Alors barre-toi! Pareil que vous êtes sur la liste noire du Barguest. Vous feriez bien de dégager avant qu'ils vous mettent la main dessus. Et qu'est-ce que t'en sais, toi? Ils m'ont payé pour vous compter et scanner votre équipement. Je les emmerde, hein. Ils ont buté un de mes tchoums. L'année dernière. Et merde, on se tire! On n'est pas payé pour bouffer du plomb! En vrai, ça m'aurait rapporté. Je suis trop gentil. Là.
Vache, 15 sur 20. Pas moyen là. Et elle est pas là. On a plus qu'à attendre. Ah d'accord. Merde, voilà Lina. Fais-toi passer pour quelqu'un d'important, hein? Sans lui du jargon de studio. J'ai pas besoin que tu me souffles mes répliques, Johnny. Ne dis rien, t'es mon plus grand fan? Ça fait combien de temps que t'es là? T'as passé la nuit à m'attendre? Tu veux quoi, mon autographe sur tes abdos? Elle est où, mon équipe? On est censé tourner, y a pas un rat? Putain d'amateur. Enfin bref, tu veux un autographe ou quoi? Ok, on joue franc jeu. Tool a eu un accident, il a perdu les pédales et y a qu'en rencontrant Lina qui pourra aller mieux. Elle a pas l'air tendre, mais elle trouvera peut-être un soupçon de compassion au fin fond de son cœur. Rêve pas. C'est un pur produit de déesse, cette fille. Et autant que je sache, les produits ont pas de sentiments. Hé hey, on se réveille, là. Chaud patate. Sympa, le vent. Je suis découvreur de talent pour DS Syndicat. Et j'ai un rôle en or à te proposer. On tourne le pilote d'une nouvelle série de DS. Si ça décolle et que t'as une bonne alchimie avec ton partenaire, on lancera direct la production. Wow, doucement, chérie. Je suis peut-être facile, mais pas bon marché. Et je demande toujours une avance. Aucun problème. Je fais le virement maintenant. Wow, tu sais comment impressionner les filles, toi, hein? Alors, j'en conclus que t'es partante? Un peu, ouais. Tu m'as amené un script? Pas besoin de script. C'est que de l'impro. Je t'envoie l'adresse. On se retrouve là-bas ce soir. Le producteur s'appelle Shank. Il t'attendra direct sur place. Oh, faut que je me prépare, faut que je fasse mon maquillage, mes ongles. Merci, mon chou, ciao. Bon, ça m'aura coûté quand même de l'argent, mais... Salut, V. On en a fini avec la reconnaissance. Prépare-toi et rejoins-moi chez Alex. Ça marche. À toutes. Ils ont avancé aussi de leur côté. Mais bon, ça, ça sera pour un prochain épisode. Ah, il est pas loin, par contre, sa planque. On va quand même finir celui-là. Non mais ils sont sales. Eh merde. Allez, c'est reparti. Gentil moto, viens là. J'en peux plus. C'est quoi cette espèce de camion? Orchestre. Je sais pas s'il y a des trucs hors de commun.
si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les messages, ce serait gentil. Parce que dans le jeu, il y a tellement de trucs que ça m'étonnerait même pas. Oh, presque. Ici Kurt Hansen. Si vous entendez ceci, c'est que vous êtes au bon endroit. Wow, c'est témoin. Les taxes, qu'est-ce qu'on en foutrait? Cette DS est nulle. Ouais, c'est moi. Si t'avais pas fait le radin, t'aurais eu plus de choix. Ça vous paraît équitable? Ah, un bon aussi. Hey, mais c'est ma plaque faciale, ça! Et t'as même copié mes pompes! Mais t'as aucune dignité, en fait, salope! Je vais pas laisser passer ça, meuf! Mon look, il est protégé par copyright, ok? Tu vas me payer jusqu'à la fin de tes jours! Ton look, gros lard! Ton look! Le sac, les pompes, les lunettes, tout du sur-mesure! Lina Malina, c'est une marque déposée, poufias d'imitatrice à 2 balles! Ok, là, c'est vraiment trop chelou! Comment je suis censée jouer face à ça? Très bien, tout le monde. Le réal est sur le plateau. Faut bien que quelqu'un prenne les commandes. Contente de te revoir. Je t'envoie ton texte. Lis-le simplement à voix haute. Ok. Je l'ai. Chère Lina, je te suis depuis tes débuts, quand tu faisais ces DS d'amateurs complètement déjantées avec des motards des Badlands. Je traverse une période difficile en ce moment. La vie m'a donné un grand coup là où ça fait mal. J'arrive seulement à m'échapper quand je suis toi. Merci pour le contenu, Premius. Je sais que tu te donnes corps et âme dans ces DS. Ton plus grand fan, Edgar Toole. Waouh! T'es le portrait craché de Lina Malina! Je suis Lina Malina! Écoute, je comprends. La vie est dure. Et parfois, ça fait du bien de s'échapper en se glissant dans la peau d'une autre. Mais au bout d'un moment, faut accepter qui on est. Tu vois, c'est notre lot à tous. Mais c'est une blague ou quoi? On t'a bien lu, hein? Sérieux, t'aurais dû voir ta tête. Vous êtes des putains d'amateurs! Je me casse. Shank, tu lui vends plus la moindre DS. Merci pour ton aide. Je t'envoie ton argent tout de suite. Mais putain, Shank, c'est quoi ces fringues que je porte, putain? J'en viens pas te dire ça. Mais il y a des fois, tu te démerdes plutôt bien. Merci. Pas besoin de mêler nos clients à tout ça. Bon, bah c'est mort, je peux pas lui parler du coup. J'aurais peut-être pas dû dire. Oh bah tant pis. T'as le nombre de missions. C'est vrai que je les ai toujours pas trouvées. Il me reste encore une ou deux. Ok, ok. Ouais, tiens, allez. On va aller rejoindre Aaron. Je réfléchis en même temps. Il y a un charcut de copassage, non? Non, plus que ça. Tu vas devoir t'imposer pour pas te faire emmerder, tu vois? Tac, 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 tac. Ça passe. Non, il essaie. Méchante. Moi, je t'as demandé de chier. Ouais, mes amis, ça va être la fin de l'épisode. Je vais vite fait nous emmerder. Là-bas. En style moto. En tout cas, les amis, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime, ça soutient la chaîne. Et si t'es pas encore abonné, mec, mieux te plaise, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu les verras dès qu'elles sortiront.
De toute façon, d'un côté tu as mon logo pour t'abonner et de l'autre une vidéo ou une playlist si jamais tu veux continuer à regarder les vidéos. Sur ce, à bientôt.